Salut à tous et à toutes, c'est Farrakhan pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin je vous retrouve pour une vidéo car ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas filmé, même que j'avais pas donné de nouvelles. En effet, ça fait à peu près 3 mois de septembre, aussi on est le 13 décembre. Donc hier on était le 12-12-12. Voilà, donc j'ai envie de vous refaire une petite vidéo pour le fun, parce que franchement ça m'avait manqué. En faire, donc comme d'hab, il y a deux personnes en particulier que j'aimerais remercier qui m'ont redonné le courage de faire cette vidéo. Donc comme d'hab, comme la dernière fois que j'avais redonné envie de faire des vidéos, il s'agit de Soso alias Mimi alias The Soso Labella. Donc le lien de sa chaîne sera comme d'hab dans la description, excusez-moi. Donc je la remercie, donc en même temps je fais une petite pub, en même temps je la remercie de m'avoir booster pour la vidéo, ainsi que Imaginer Breeze qui depuis peu a monté son propre ordi, donc lequel là franchement je vous dis c'est une bête de course, donc il va faire des let's play sur Minecraft et compagnie. Donc il est aussi connu sous le nom de Brice51880, donc c'est un pote IRL. Donc voilà, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos si vous me suivez depuis le début, donc ceci depuis un an, bientôt 2 ans je crois. Voilà, donc aujourd'hui pour la vidéo, je vous retrouve sur les Sims 3. Oh yeah. Ouais, donc sur les Sims 3, parce que c'est un jeu que j'ai téléchargé depuis à peu près une semaine. Je suis déjà la 4ème semaine avec ma famille. Donc voilà, ici une petite famille, avec un nom de famille aléatoire, juste au pif ce qui me passait par l'esprit. Donc à la base j'avais commencé avec le Gugus ici là, je sais pas si vous voyez ma souris. Le Gugus là, donc maintenant c'est un papy, mais au début c'était moi, Farrakhan, un jeune adulte. Aujourd'hui c'est un papy, donc ensuite il a rencontré Oli, et ensuite il a aussi Farrakhan, qui a aussi grandi, qui est maintenant une ado. Donc je sais pas, soit je vais faire une vidéo sur cette partie là qui a 4 semaines, donc en gros je suis niveau 9 en chirurgie, enfin en médecine, soit je dois faire une autre pour faire découvrir. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une nouvelle partie pour découvrir les sites, comment ça marche. Donc logiquement si je peux lancer pour la prochaine fois, je vais mettre directement sur la ville. Donc là je vais lancer directement. Je t'informe aussi, j'espère que vous allez m'entendre correctement, parce que c'est toujours mon vieux micro médiocre. Voilà, et à Noël j'ai pas prévu de m'en racheter un. À Noël j'ai surtout prévu de m'acheter Far Cry 3. Et oui, Far Cry 3 qui a l'air juste d'être une bombe. J'ai regardé un petit display dessus, franchement je suis tombé amoureux de ce jeu. Je vous ferai aussi des vidéos si je retrouve la boîte de mon Dazzle avec le CD, parce que ceux qui savent pas, j'ai formaté mon ordinateur, ma tour, pour pouvoir déjà mieux filmer, donc c'est pour ça qu'ici je filme sans lag. En même temps sur les Sims c'est pas compliqué. Et le truc c'est que j'ai formaté ma tour, donc je suis passé en bêta Windows 8 depuis à peu près 2 mois. Et je sais plus ce que j'ai fait du CD de mon Dazzle. Donc dès que je l'ai retrouvé, j'essaierai de vous faire des vidéos sur Xbox. Sachant aussi j'ai changé de télé, je suis branché en HDMI depuis la Xbox. Donc il va falloir que je repasse en Piritel, que je refasse tous mes branchements et tout. Je sais pas si je ferai des vidéos sur Xbox maintenant, mais je pense en faire aussi sur, bah bien sûr, sur Far Cry 3, si j'ai le courage. Sur Forza Horizon, parce que ceux qui le savent, j'ai refait, comment dire, je me suis acheté Forza Horizon, que j'ai fini en 2 jours, 25 heures de jeu, enfin 3 jours plus exactement. Donc là vous pouvez voir quelques lags, donc c'est normal, parce que, je sais pas pourquoi, même sans filmer c'était pareil. Donc par contre je trouve à 13 fps ou quand même, j'ai jamais essayé de filmer en jeu, on verra bien ce que ça donne. Alors on va je vais vous montrer les interfaces du jeu, sauf que je me fais spammer de messages IRL. Attendez, je réponds à SMS, désolé. Toi t'attendras, voilà. Donc là je vais vous montrer comment créer un sim, donc dans l'interface des sims, hein, logique j'ai envie de dire. Oui. Voilà, oula, on commence avec un rocker. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de lag du tout une fois dans le jeu. Je vous promets rien. Donc vous connaissez je pense l'interface, c'est à peu près le même que sur les Sims 2. Donc ici vous pouvez faire des Sims aléatoires. Voilà, les Sims déjà préfabriqués. Donc ça c'était moi, sauf que j'ai pas ce couple là logiquement. Voilà, donc vous pouvez différentes tailles, différentes écoles, des adultes, des ados, des
Zouzou. On va faire aléatoire aussi ici. Donc j'espère que je ne ferai pas cette vidéo pour que dalle, que vous m'entendez, sinon je pèterai un câble. Voilà, donc ici, voilà, générateur. Donc les bases. Donc vous pouvez choisir un nom, par exemple je vais m'appeler Farrakhan. Farrakhan. Farrakhan Dupont. Voilà. Donc on peut choisir des sexes, hein, homme ou femme. Par contre j'ai remarqué, les chargements sont quand même assez longs, si vous cliquez sur une coupe, ça c'est quand même assez long. Vous pouvez choisir d'être un bambin. Les sims les plus jeunes peuvent pas sélectionner autant de traits de caractère. Ok, ouais, donc on peut être un bambin, un enfant. Ouais, c'est assez long quand même, hein, je sais pas si ça vient de mon ordinateur. Après on est ado, je crois, adolescent, voilà. À partir d'être ado, on peut choisir la taille des muscles. Après, on peut être jeune adulte, adulte et personne âgée. Donc actuellement, mon bugus sur ma partie à moi est déjà personne âgée. On va mettre jeune adulte. On peut choisir comme la couleur de peau, donc foncé, super clair, légèrement bronzé, voilà, un petit peu trop. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir la tempérance, donc vous pouvez être un mammouth. Vous pouvez être super mince. Donc le mammouth, je fais une dédicace à Buffet Arnaud. Non, ce n'est pas son famille, c'est un pseudo sur le Xbox Live. Donc c'est le chef de la team FMD dans laquelle je suis actuellement sur Forza 4 et Forza Horizon, dans laquelle je suis cofondateur sur Horizon. Et voilà, donc tu dédicaces à la team en passant, donc à Duka, à Marc, à Décapsuleur, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Donc en plus, on va aller mettre un truc ici. Ici on peut choisir la taille des muscles, donc on peut être vraiment sans muscles, on peut être vraiment beaucoup de muscles, on va mettre beaucoup. Non, c'est assez moche trop. Voilà. Ensuite, on peut choisir la coupe de cheveux. Alors, par rapport à la coupe de cheveux, le seul problème. Donc là, il y a un coup là, comme d'hab. La coupe de cheveux, le problème. Donc déjà, quand tu veux changer de coupe de cheveux, c'est assez long. Regardez, on va cliquer. Voilà, il y a un petit temps de latence. Putain, je tombe qu'à 15 FPS. Ouh, qu'est-ce que ça va être une fois dans le jeu. Voilà, donc ça c'est les casquettes, on s'en fout. Sinon aussi pour différentes tenues, par exemple tenue habillée, tenue habituelle, maillot de bain et compagnie, il faudra tout le temps venir remettre la coupe. C'est le bordel, à moins qu'il y ait cette coupe de cheveux est utilisée à toutes les tenues. Voilà, donc c'est ça, toutes les tenues. Ok, donc c'est bon. Un problème, donc là vous pouvez remarquer, quand je passe, normalement il y a une petite fenêtre qui s'ouvre derrière. Ça m'arrive qu'elle bug vu que c'est pas la version officielle du jeu. Donc c'est pour ça que ça m'arrive qu'elle soit légèrement bug, voilà, qu'il n'y ait pas de texte derrière quand je passe sur une souris, enfin, qu'il n'y ait pas de bulle derrière le texte. Bon, ça c'est pas extrêmement grave, mais bon, voilà quoi. Voilà, donc on va mettre cette coupe de cheveux. Expression du visage, qu'est-ce que j'avais mis moi. Ah oui, c'est la tête. Ouf, grosse tête. Des échangeables, attends, vous pouvez savoir si vous jouez aussi depuis déjà longtemps. Les yeux, je sais plus lesquels j'avais mis parce que ceux-là ils sont un peu trop bridés à mon goût. Oula, là, je sais plus du tout ce que j'avais mis. On va laisser ça et on va les mettre en bleu. Yeux bleus, blond, c'est moi IRL. Lol, le pif, il y a toutes sortes de pif. Des gros, des petits, trop gros, trop narine remontée, oula, y a beaucoup hein, comme on peut voir, là y a Big Pif, oula, on dirait un cochon, tiens un cochon, Brice, dédicace à toi, allez on va mettre ça, ensuite une smooth, une bouche, ça fait un peu bizarre, les bouches sont quand même assez hard, hein, Ça fait un mot que je dirais pas. Voilà, ça c'est voilà. Ça c'est du rouge à lèvres, je suppose. Donc c'est du rousseur. Voilà, donc on s'en fout, on peut mettre du maquillage. Ensuite les vêtements. Oh, putain, ça fait chier ces bugs de texture. Alors là c'est les vêtements du quotidien. Vous, y a, ici il y a des petites flèches, vous voyez, pour aller un peu plus à droite. Pareil pour revenir à gauche. On va les mettre. Qu'est-ce qu'il y a dans le quotidien? Allez, on va se mettre en relax. Voilà.
Il y en a d'autres, hein, une chemise militaire. On peut changer les pantalons de la tenue quotidienne. Donc on va les mettre un jean. Non. Oula. Ouais, bof. Y'a pas grand chose, je vous le dis. Donc ça, c'est les tenues habillées plus tard. Chaussures, on va laisser ça. On va s'en mettre une petite montre là. Ah oui, ça c'est lunettes et bijoux. Ah d'accord, même chaussettes. Donc on va aller foutre une montre, allez tiens. Main gauche, voilà. Toujours plus mieux. Voir ça, ça fait comment si je te mets des lunettes. Non. Ok, ensuite maintenant la tenue habillée. Donc tenue habillée, oui, d'accord. Une tenue aléatoire, on va aller prendre directement. Ensuite le pyjama, en principe le change pas. Soso. Voilà. Le tenue de sport. Mais yo. Pas long, ça fait un peu voilà quoi. Un short. Oh. Ouais bref. Et en maillot de bain. Yep, so. On va laisser ça. Ok, ensuite. Vous pouvez définir les traits de caractère de votre sim. Donc là il est un peu fou, il est pantoufleur, donc en gros c'est flemmard. On peut ajouter d'autres traits hein, sur un truc style de vie, on peut mettre un ambitieux, on va aller mettre gracieux, non, pas. Chanceux. Donc, athlète, je peux pas le mettre Ah on peut quand il est pantoufleur, bon bah hop, athlète. On va aller mettre que c'est un bricoleur. Voilà. Ok. Ensuite, ici. Donc c'est des souhaits à long terme. Donc en fait, je vous explique. Une fois dans le jeu, vous avez des souhaits à long terme. Donc tout le temps, il en gagne un par un. Et vous avez quelques petites missions à certains moments, style parler à telle personne, faire ceci, faire cela, acheter tel objet. Vous avez quelques trucs comme ça qui vous permettent de gagner, d'acheter des compétences à 5000, 10000, 15000, 20000 et le plus gros ça va être 45000 je crois. Et vous avez des soins à long terme, par exemple là ça c'est devenir astronaute qui permet de remporter X en principe moi mon gars c'était devenir le meilleur chirurgien du monde, chirurgien renommé mondial, c'était 35000 ou 45000 bonheur à long terme, donc ça fait, en gros faut atteindre le niveau 10 en médecine, donc c'est assez, moi je vous ai dit ça fait une semaine que j'ai le jeu, je suis déjà quasiment niveau 10, voilà quoi, c'est assez rapide j'ai envie de dire. Donc là c'est quoi ça, c'est devenir éleveur de sirène, devenir une athlète superstar, briller dans tous les domaines, l'empereur, merde ça fait chier qu'il y ait des bugs. Nous pourrons en dire choix. Donc si on veut changer, il suffit juste de retourner ici, revenir et ça change la carrière. Donc ici il y a un détail, donc par exemple être niveau 9 en carrière sportive. Donc il n'y a pas écrit combien ça gagne, mais voilà quoi. Donc, il y a un nouveau truc, c'est vivre dans le grand luxe. Ah, donc on va mettre sport. Les préférences, donc, on peut choisir son plat préféré, on va mettre hamburger. Sa musique préférée, on va mettre de l'électro. Et la couleur préférée, on va laisser comme ça. On peut choisir son ton de voix. Donald Matzo, Thor. Voilà, ça peut être ça, ça peut être. Deepa Hadura Crew. Pablo Herbie. Voilà, donc c'est trois voix, on peut augmenter le volume aussi. Temple Glow. Voilà, donc j'espère que vous entendez le jeu parce que j'ai quand même pas mal baissé le son du jeu. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur ici et c'est bon. Vous pouvez aussi en créer un d'autres, hein, vous créez une famille, mais moi je vais créer en Forever Alone. Oh my god. Sinon, c'est juste un tuto. C'est une tâche. Donc voilà, donc il est tout seul dans la famille, on peut rajouter d'autres personnes, des gosses, des femmes, enfin pour le moment c'est pas une femme, c'est juste des amis, des connaissances. Donc voilà, maintenant faut choisir où habiter. Donc on commence directement avec 16000$, avec difficulté de 1. Donc on peut choisir soit d'acheter un terrain vierge, sur soi-même sa maison. Donc là vous voyez le terrain il est à 3200, mais en gros il n'y a pas de maison, il n'y a que dalle. Là pareil à 1800 de terrain, ou on peut acheter directement une maison. Donc là la maison vide elle est à 12290, la meublée elle est à 15000. Moi dans ma partie j'ai modifié un peu la ville, donc ici il y a une famille, c'est la famille les plus riches, je les ai virés et j'ai habité là-dedans.
Oui, parce qu'on peut modifier la ville. Je crois que c'est là. Voilà, modifier la ville, sauvegarder, le son, option, menu principal, etc. etc. Donc là, c'est, vous avez, dès le début, vous avez un petit tuto. Et j'ai un fail. Oh merde, hello ma famille. Voilà, il est là. Toi. Alors, tu vas aller aménager soit... sélectionner, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Soit... Allez, je vais acheter un terrain. On va acheter. Ok. Voilà, donc il va habiter ici sur un terrain vierge. Ça va permettre de vous montrer l'interface pour fabriquer sa maison. Donc, pour... Oula, par contre, le terrain est assez petit, comme vous pouvez le constater. Donc, comme d'hab, l'interface... Ah, voilà. Donc, les fameux concours. Alors, ici, vous avez... donc, les fameuses petites missions. Donc, là, qui vous donneront, à long terme, si vous réussissez la mission, de 675. Pour accepter, il suffit de faire clic gauche. Pour refuser, c'est clic droit. Si on accepte, ça se met là. Donc, pour n'accepter que 4 en même temps. Donc, là, vous voyez, c'est... faut que je lance dans une carrière sportive. Ici, c'est les taux d'humeur. Donc, là, en gros, il y a une magnifique vue. Donc, il a plus de 45 d'humeur. Ici c'est sa jauge d'humeur. Donc en gros si c'est dans le jaune, dans le rouge c'est que c'est pas bon. Si c'est là-haut c'est que c'est il est très bonne humeur. Donc ici ça peut être des trucs rouges comme par exemple une mauvaise odeur qui le rend mauvaise à l'aise, s'il est fatigué, etc. etc. Ici vous avez l'heure et les jours, donc écrit le nombre de semaines et le nombre de jours. Ici vous avez le mode play, ici le mode pause, accélérer en vitesse 2, accélérer en vitesse 3, ici c'est accélérer en vitesse 4, mais c'est que pour accélérer l'action actuelle. Rome, il joue du Rome, il joue de la guitare. Ça va vous appuyez là-dessus. En gros, tant qu'il joue de la guitare, ça va être accéléré. Et dès qu'il va stopper la guitare, ça va repasser en temps normal. Ici, donc c'est pour. Donc, excusez-moi, vous voyez pas les. Encore une fois, à cause des bulles. Ici, c'est pour l'interface des Sims, c'est où je suis actuellement. L'autre interface ici, c'est pour acheter des meubles, une voiture, des vélos, etc. etc. Et le troisième, c'est pour construire sa maison. Ensuite, ici, là, ce bouton-là, c'est pour voir la ville. Donc en bas, je peux aller à la plage, je peux aller au cinéma, je peux aller à la piscine. Ici, c'est l'hôpital. Là-bas, il y a la carrière sportive qui est dans le coin là-bas. On peut aller pêcher. Voilà, donc on appuie ici. Ensuite, là, le bouton qui est juste en dessous, c'est pour voir son sim. Vous voyez mon sim, je sais pas où il est. Je appuie dessus, hop là. Et voilà, ça me suit. Donc ici, là, il y a ma tête. Normalement, il y a un cadre autour. Ça m'arrive qu'il bug comme ça, il faudrait que je relance le jeu. Donc en gros ici il y a la tête de toutes vos familles. En gros si vous avez une petite amie et que vous, qu'elle habite avec vous, vous êtes fiancé, elle habitera ici aussi. Donc pour changer vous cliquez dessus, vous recliquez dessus pour aller sur l'autre personne. Et quand vous suivez la personne, en gros là dès qu'il va bouger, ma caméra va le suivre parce que j'ai cliqué sur le petit bouton ici, voir mon Sims. Et ici, donc là on voit pas mais normalement il y a une petite croix jaune qui indique que c'est cette personne là que vous suivez. Ensuite, ce bouton là ça permet, donc pareil je le vois pas malheureusement. Ah si voilà, donc ici c'est pour barboire au mur. Donc le troisième c'est pour avoir les murs des maisons, de ta maison. Le celui du milieu c'est pour avoir partiellement les murs. Donc en gros une partie des murs, la partie qui vous gêne pour avoir votre Sims disparaît. Et derrière vous voyez le mur. Et à gauche c'est juste vous voyez aucun mur. Ici c'est pour aller sur le plan de votre maison. Par exemple si je vais aller sur la vue là-bas pour voir ma maison, hop là, tac, j'appuie là-dessus et ça me montre ma maison. Donc là c'est mon terrain vu qu'il n'y a pas de maison pour le moment. En dessous, donc ça permet de les étages de la maison. En gros, vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez aménager au-dessus, vous voulez voir votre Sim qui est au-dessus, vous cliquez là-dessus, hop, ça monte d'un étage. Et en dessous, ça descend d'un étage. Donc ici, il y a un mode photo, un mode caméra, ici, il y a un mode zoom et rotation et compagnie, là. Mais ça, vous pouvez faire avec la souris, donc tourner en appuyant sur... faut appuyer sur la roulette et tourner. Zoomer avec la roulette, et pour bouger, c'est rester appuyé sur clic droit. Voilà, par exemple, pour le faire marcher, c'est clic gauche, action, elle est ici. Voilà, donc en vue interface, c'est ok. Donc avec les trois petits points ici, c'est pour sauvegarder, modifier la ville, les options, sauvegarder, quitter, etc. etc. Ici, il y a une petite flèche, vous pouvez appuyer dessus. Donc ça vous permet de voir l'âge de votre Sim. Donc par exemple, dans... donc ici, vous pouvez pas voir s'il n'y a pas la bulle derrière, elle est buggée. Donc dans 16 jours, ça passera en adulte. Ici, vous voyez ce qu'il aime, le repas préféré et tout. Ici, il y a l'arbre généalogique. Donc en dessous, s'il a une petite amie, elle sera écrite à côté. Si il a des parents, ils seront écrits au-dessus. Si il a des enfants, il sera écrit en dessous. Ici, une biographie. Par contre, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc ici, les traits de caractère.
En deux, donc ici c'est tous les amis, toutes vos connaissances et tout, toutes les gens que vous connaissez. Donc avec écrit donc une jauge du vert à droite et rouge à gauche, savoir s'il vous apprécie, si ou pas, si vous êtes bien ami avec lui ou pas. Donc allez, vous pouvez cliquer dessus pour discuter, pour l'appeler. Ici donc il y a écrit je suis au chômage, donc en fait c'est votre carrière. Donc il y a écrit votre boulot, combien vous gagnez de l'heure, les jours où vous travaillez. Il y a un bouton pour aller au travail, mais ça c'est que certains horaires, donc je vous montrerai sur ma partie perso. Les compétences, donc c'est par exemple mécanicien, en gros par exemple, la logique, vous jouez aux échecs, vous pouvez monter niveau 1 jusqu'au niveau 10. Donc en gros plus 10 c'est le meilleur. L'inventaire, donc ici votre téléphone, vous pouvez appeler et compagnie. Ici vous avez tout, donc en gros si vous avez une voiture, elle est indiquée ici. Si vous avez un magazine, il sera indiqué ici. Vous pouvez y revendre en y glissant sur ce petit carré-là. Les opportunités. Donc en fait, ça arrive que si vous bossez très bien, vous propose une opportunité de carrière, de compétences ou spéciale qui permettra de gagner de l'argent ou des trucs du style. Le bonheur à long terme, vous voyez, je suis à zéro ici. Ça va monter avec le temps. Et j'appuie sur récompense à long terme et vous pouvez acheter différentes compétences. Par exemple, nettoyeur express. Donc là, vous pouvez pas voir parce que comme d'hab, il n'y a pas la bulle derrière. Donc ça permet de nettoyer beaucoup plus rapidement. Il y a aussi un truc, c'est voilà, vessie d'acier. Donc vous avez beaucoup moins de toilettes. Et le plus cher, il est à 75 000. C'est une plateforme de téléportation. Et voilà, ça monte. Et comme je vous ai dit, l'émission, là, par exemple, celle-là, si je me lance dans une carrière sportive, je gagnerai 675 bonheur à long terme. Et ici les besoins, comme d'hab, habituels, avec la faim, la vessie, l'énergie, les amusements, l'hygiène et le social. Donc voilà, c'était tout point de vue de l'interface. Maintenant, voyons par rapport au jeu en lui-même. Ouais, votre Gugus, il est là. Vous pouvez lui dire d'aller ici. Voilà, vous pouvez choisir s'il peut courir, marcher, aller en façon automatique. On va aller voir l'interface de comment construire une maison. Donc excusez-moi si je vais vite, mais en fait, ça va être du frappe, c'est très long à charger. Donc voilà, vous arrivez sur une interface comme celle-ci. Donc avec le sol, etc. etc. Donc vu qu'on a que 13 000 simflouz, je vais faire une maison rapidos. Donc vous avez plusieurs interfaces. Donc ici, c'est les murs normaux. Ici, c'est pour les revêtements de murs, donc la tapisserie, etc. On peut créer soit un seul mur, soit des pièces en diagonale. Donc nous, on va créer un rail, un carré, on va pas se faire chier. Hop, les. Hop. Voilà, hop, 3000. Voilà. Vous voyez, c'est sombre à l'intérieur. Ensuite, pour faire. Je vais pas mettre de tapisserie. C'est simple, de toute façon, vous sélectionnez, vous appuyez là. Pour tapisserie, c'est conseillé d'afficher les murs. Voilà. Vous mettez dessus. Donc là, voilà, ça remplit toute la pièce. Et on peut faire que certaines zones configurées. Voilà. Pour revenir en arrière, c'est. Bah, touche retour. Donc ensuite, on peut mettre des portes. On va mettre une grande porte comme celle-ci. Voilà. Ensuite, donc je vais pas faire d'étage. Donc on peut mettre des cheminées aussi, des colonnes, des arches, des fenêtres. Donc on met quand même une ou deux fenêtres. Pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de fric. Là et là. Voilà. Ok, donc par contre vous voyez là il n'y a pas de toit sur votre maison. Donc on va revenir tout de suite là-dessus. Donc sur le toit. Donc il y a deux moyens de créer un toit. Soit vous faites de vous-même. Vous faites de vous-même. Donc en gros ici vous montez d'un cran l'étage. Voilà. Et vous le remplissez comme ceci. Voilà. Soit comme ça. Bah je l'ai fait, je sais pas pourquoi. Soit vous appuyez sur automatique. Donc en gros ça va vous placer les toits automatiquement sur votre maison. Donc là a priori ça les a placés. D'accord. Ok. Voilà, donc le toit il est placé. Donc on peut mettre pareil des cheminées sur le toit, etc. Choisir le revêtement du toit. On peut mettre du carrelage, bien sûr, encore heureux. Donc on va aller mettre différents du carrelage, du bois, des pierres. Ici c'était de la moquette. On va mettre du bois, allez on va mettre celui-là. Hop, revêtement. Voilà. Pareil, vous pouvez bien sûr recréer des murs dans votre maison pour faire différentes pièces. Vous pouvez bien sûr créer des piscines. Bon, j'ai pas de plongeoir, c'est dommage, mais il y a des inscriptions au fond, des lampiotes, etc. Pour mettre des portillons. Portillons vraiment sympathiques, juste carrément au portillon grec. Pareil avec des clôtures, donc c'est toutes sortes de clôtures, hein, voilà, même des buissons.
Donc les tapisseries intérieures, voilà. Donc les arches, la cheminée, etc. Donc le sol. Ici, vous pouvez mettre aussi des surélevés de maison, par exemple pour des terrasses, trucs du style. Vous pouvez placer comme d'hab des escaliers pour monter à l'étage. Voilà, ça, par exemple, monter à l'étage, mais j'ai pas envie de faire d'étage pour le moment. Vous pouvez placer des arbres, des pierres, etc., etc. Donc là, on va dire que la maison, elle est faite. Donc je vous dis, c'est une maison faite à l'arrache. Je ferai peut-être des vidéos pour vous créer des vraies maisons, etc. Ensuite, pour aménager sa maison. Donc, vous avez accès à trois menus. Donc là, il y a le menu principal, donc avec trié par catégorie, donc cuisine, salle de bain, chambre, salon, salle à manger, bureau, chambre des enfants et extérieur. Voilà, donc c'est complètement organisé par pièce. Vous avez aussi organisé par section, style plomberie, appareil électronique, surface, confort, électronique, véhicule. Et ici, vous avez l'inventaire de famille. Donc, je vais commencer directement par vous montrer la nouveauté par rapport au Sims 2, c'est les voitures. Donc en effet, donc pour avoir une voiture, il faut acheter une place de parking sur son terrain. Donc ça coûte 150 simflouz. J'ai pas dit aussi pour tourner les meubles. Donc vous êtes comme ça, vous restez appuyé sur le clic gauche sans lâcher et vous tournez. Donc l'avantage aussi par rapport à Sims 2, c'est qu'on peut mettre des objets en diagonale. Comme ça. Voilà. Ensuite des voitures, donc là j'ai que 8000. Donc on va acheter une petite voiture à 900. Donc la plus chère elle est à 100 000. Vous pouvez mettre aussi une porte de garage. Je pense que je vais la mettre là, voilà. C'est purement décoratif. Ici vous pouvez mettre des parkings à vélo et acheter des vélos. Donc la voiture on va la mettre là dessus. Donc on est obligé de la mettre là dessus par contre. Voilà. Par contre, point de vue pendant que je suis là dedans, par rapport aux anniversaires. Donc en fait quand votre Sims arrivera, la jauge de votre Sims arrivera à bout, là par exemple c'est dans 16 jours. Il y aura un message comme quoi vous dira c'est maintenant l'anniversaire de X personne, de telle personne. Ce qu'il faut faire quand ça vous met ça, vous organisez une fête ou pas obligatoirement, vous achetez un gâteau, vous le posez sur une table avec les personnes concernées. Donc par exemple, si c'est un enfant, ou soit le parent qui y aille, vous cliquez dessus, soufflez, vous appuyez sur souffler les bougies et ça vous permettra d'avoir une interface qui s'ouvre pour sauver les bougies de certaines personnes. Donc ça vous dira du père, de la fille, etc. Ça vous mettra les noms, même des amis des fois. Cliquez sur le vôtre, donc tout le monde a tous les invités à arriver tout. Ils vous font du bruit, etc. Ils vous applaudissent, vous soufflez la bougie. Et là vous vous transformez, donc en gros là je vais se passer adulte. Voilà, donc de toute façon vous avez tous les paramètres, etc., etc. Donc on va au moins mettre un lit. On va pas mettre un gros lit, on va mettre un petit lit. Donc là c'est une maison d'arrache, j'ai pas beaucoup de fruits. Pour ceux qui savent, comme dans tous les Sims, il y a des cheat codes. Voilà, je vous ferai pas de pub là-dessus, hein, c'est mal. C'est mal de cheater sur les jeux. Donc sur les Sims, si vous voulez construire, c'est mieux. Donc les téléphones, on va aller quand même mettre des lampes. Voilà. Vous avez tout, hein, du matériel de sport, vous jouez de la guitare, etc. Vous avez les frigos. On va mettre un frigo, tiens, pour le fun. Même des accessoires de chambre enfant, donc les petits lits, trucs comme ça. Voilà, donc j'allais dire quelque chose, mais non. Donc ici vous avez toutes les lampes, donc on va mettre des lampes du plafond. C'est lesquelles déjà on va aller. Des fois c'est bien, c'est d'aller dans la catégorie trier par fonction. C'est plus simple pour trouver ce qu'on cherche. Voilà, donc hop, plafonnier. On va aller mettre des lampes par-ci par-là. Hop, et... ouais, on prend 95 la lampe, c'est pas donné. Voilà. On va retourner dans le mode de vie. Donc on est en mode normal, donc pour manger c'est simple, cliquez dessus, préparez un petit déjeuner, etc., etc. Vous pouvez appeler, donc appeler des services comme les pompiers, une bonne, d'autres comme ça, organiser une fête à cet endroit. Vous pouvez aussi, donc là ils découvrent les nouveaux objets, hein. C'est normal s'ils tapent des tripes à regarder la porte ou en rigolant à regarder des trucs, ils découvrent les objets. Ou vous pouvez vous détendre, dormir, faire la sieste sur le lit. Oui, là il va se taper un trip en regardant la porte. Vous voyez, donc en fait, c'est sûr ce qu'on fait. Bon, si vous faites du sport, vous aurez des... ou de la cuisine, etc. En fait, vous aurez des missions qui vous proposent par rapport à ce que vous faites. Donc là, il y a apprendre la compétence athlétisme, par exemple. Donc lui, il est tellement feignant qu'il va déjà s'endormir, d'accord. Donc ça, ici, le petit ouvreur de journaux. Donc pour trouver un job, c'est soit vous allez sur l'ordinateur, soit vous allez là-dessus. Donc là, vous voyez, là, il se plaint. Donc, en gros, il a moins...
moins 10 d'humeur parce qu'en fait la pièce elle est pas finie d'être décorée. Dans le journal, vous pouvez trouver un travail, recycler, trouver des courses en solde. Donc on va trouver un travail. Ah oui, mon petit, tu as trouvé un travail. On peut fouiller les poubelles. Les voitures, voilà, vous pouvez aller faire du shopping, aller à l'intérieur communautaire. Et après, je vais vous montrer d'autres trucs. Donc, de nouvelles choses. Alors là, j'ai encore un truc. C'est prendre un cours de d'athlétisme. Vous animez, bon, hop, clic droit, ça l'annule. Alors voilà, donc sportif. Alors c'est un fan absolu, donc il est payé 13 de l'heure, mais il permet de monter ses capacités pour pouvoir up. Donc il peut monter en niveau pour pouvoir mieux être payé. Donc là il bosse de 15h à 21h le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Donc actuellement on est dimanche. Bon, allez, on va accepter la carrière, voilà. Ok, en carrière de sportif, donc bonheur à long terme, vous voyez je suis à 600. Donc, le moins cher c'est 5000. Conseil de ma part, restez souvent sur la partie sociale, sur la partie besoin de votre Sims. C'est pour vous dire, parce qu'il a beau être autonome, il l'est pas souvent. Donc là, il va découvrir le parking. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire découvrir un peu l'interface. Du meeting, ici il y a le cimetière. Là-bas il y a la base militaire. On va aller au terrain sportif. Donc ici, donc vous voyez, donc il peut aller travailler, mais il peut pas actuellement parce que c'est que il peut travailler dans un jour, il peut démissionner, il peut voir un match qui commence à 15h, voir un concert, donc pour le moment il n'y en a pas, et il peut prendre un cours d'athlétisme. Aussi, je sais pas pourquoi il n'y en a pas actuellement. Ouais, il peut pas, mais normalement. Voilà, donc je sais pas pourquoi, mais normalement, à partir d'un moment, on peut acheter des titres de copropriété. Attendez, on va lui dire d'aller ici. On peut lui acheter des titres. En gros, on peut devenir propriétaire du stade de l'hôpital, pouvoir le renommer, gagner des bénéfices avec, etc. Des trucs comme ça. Donc là, ce con, il va y aller en marchant. C'est un mec qui prend sa voiture. Mais bon, on va aller voir où il en est. Ah voilà, donc il prend sa voiture. Donc vous voyez, pour voir où la voiture, voilà, elle va D'accord. Habituellement elle va vraiment vite, hein. Vous voyez en 30 secondes, en 2 secondes il fait le trajet. Ou des fois c'est même beaucoup plus rapide que ça. Donc on va accélérer pour que je lui montre un peu comment ça se passe le boulot. Parce que une fois au job, voilà, alors attends, toi. Voilà, on va prendre un stage d'athlétisme, hein. Ça va permettre de lui apprendre la compétence. Sa compétence il en a pas. Voilà. Hop là, donc ça m'a coûté quand même 400$. Par contre, quand il est dans un bâtiment comme ça, on peut pas regarder ce qu'il fait, c'est un peu dommage. Mais voilà quoi. Il peut essayer de rencontrer d'autres personnes, les draguer, trucs du style. Voilà, donc ici vous pouvez voir, donc ça accélère, ça avance. Donc en gros, il y a la jauge verte, c'est en gros ce qu'il a fait du stage. C'est pareil quand il apprend des compétences, quand il lit un bouquin. Ça monte et une fois qu'il est à 0, ça veut dire que ce sera fait. Oh, excusez-moi, j'ai eu un coup de frisson. D'accord, donc je sais pas, je suis à combien de temps de vidéo, mais je sens que l'upload va être longue. Tout que je pense pas faire de montage Sony Vegas parce que déjà je l'ai pas téléchargé et parce que j'ai la flemme de faire du montage à partir de trucs. Donc voilà, donc il a. Donc voilà, la mission est acceptée et j'ai une nouvelle mission. Donc c'est aller faire du footing. Donc on va aller faire. Voilà. Donc dès qu'il y a compétence d'athlétisme. Il peut aller à un endroit en faisant du footing, en courant. Et vous voyez, il a gagné des points ici en terminant la mission. Donc, dans compétences, il a, vous voyez, un de compétences d'athlétisme. Donc là, il va s'amuser à aller parler avec... Ah non, il joue au chat. D'accord, on va rien dire. Donc il peut faire un entraînement d'aérodynamique. Voilà, donc il peut aller faire plein de trucs. Donc là, ici, la base militaire et compagnie. Donc il peut aller en course acheter des trucs, aller manger au resto, et ici je crois que c'est la prison. Non, un peu les citoyens, voilà. Le cimetière qui est à gauche, l'université, pêcher, des maisons de luxe, et la maison des plus riches, je crois que c'est là. Bah, une bibliothèque, le commissariat, la mairie, les salles de muscu, un parc, une piscine municipale, donc il y en a deux. Et ici d'autres maisons, donc les maisons c'est quand les gens habitent dedans. Pour déménager, il suffit d'aller dans le téléphone et mettre emménager, je crois. Soit je vais compter comme ça. Voilà. Donc on va aller revoir notre Sims.
Donc là par contre, je pense que j'ai fait le tour des trucs. Je vais juste aller vous faire un truc, donc je vais voir la maison. Pour ceux qui désirent utiliser les cheat codes, certes c'est pas bien. Ouais, magnifique maison, hein. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les cheat codes, mais je vais pas vous les donner. Bon, bien sûr, vous verrez ce que je vais taper, mais vous verrez pas comment y accéder. Car ce n'est pas avec entrée ou avec T ou avec un truc du style. Donc, voilà. Donc, j'ai activé le code permettant d'aller sur la bibliothèque. Donc, vous voyez, y a rien. J'appuie sur des touches. Voilà. Donc, les cheat codes permettent de rendre tout le monde heureux. Donc, vous voyez, ça permet de remonter. Si je mets en mode play, ça sera jamais. Et donc, là, tout le monde est heureux. Donc, tous les gens de la famille. On peut créer de nouveaux Sims. On peut se faire connaître de tout le monde. Donc là normalement dans les amis il y aura. Donc là c'est souvent un coup de lag ce code parce que ça ajoute tous les gens de la ville, vous voyez tous les gens de la ville ici. Si je voulais tu vois lui, je vais être super ami avec lui. Donc hop, avec le cheat code, faut appuyer sur quelques touches et voilà, là c'est mon meilleur ami. Lui par exemple c'est mon pire ennemi si je le fous à gauche. Donc par contre c'est souvent. Voilà, là c'est le pire ennemi. Donc c'est souvent bug. Ça bug assez. Donc vous voyez ici il y a tous les gens de la ville. Ça bug assez parce que. Il y a quand même assez de monde. Voilà. Donc aussi un cheat code, il y a moyen. Donc voilà, on peut se téléporter à un endroit. Allez hop, et hop, je vais me téléporter ici. Voilà. Donc on peut faire venir un visiteur, on peut désactiver les besoins. On peut faire venir un PNJ comme agent de ménage, livreur de pizza, babysitter, technicien de réparation, un huissier. On peut faire voilà plusieurs choses. On peut définir une carrière. Donc, par exemple, je vais dire carrière. Allez, militaire. Et on peut mettre choisir son grade. Rang nettoyeur de l'arbine ou astronaute. Voilà, donc hop, il est astronaute. Et dans les carrières, vous allez voir, donc voilà. Donc voilà, donc ici, militaire, astronaute, donc en gros c'est niveau 10. Ici, on voit qu'il peut gagner 30. 334 dollars de l'heure. Il bosse de 7h du matin à 1h du matin, c'est quand même une grosse journée. Et il bosse que le lundi. Donc il se fait pas chier, hein, j'ai envie de dire quand même. Voilà, donc ici vous pouvez aller au boulot, mais c'est rien, c'est pas l'heure. 1 heure avant, par exemple, donc là, il commence le boulot à 7h. À 6h, vous aurez le réveil qui vous dira véhicule de covoiturage qui arrivera dans 1 heure. Voilà. Et ici. Donc voilà, c'est ce qu'il était, ses anciennes carrières. Si vous êtes lycéen, vous pouvez avoir un emploi à mi-temps ainsi que d'être lycéen. Comment je pourrais faire pour vous montrer aussi, il y a du cheat argent, cheat argent, cheat argent, cheat argent. Je sais plus ce que c'est. Attendez, sur mon casque, il tient plus sur les oreilles. Cheat argent, c'est. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai plus 50 000 dollars. Simslouz, on n'a rien vu. Voilà, donc il bosse à 7h, donc je peux pas accélérer les trucs. On va faire ça autrement. Donc, on va aller dans le menu principal. Non, on ne sauvegarde pas la partie. Et je vais aller dans ma partie perso à moi. Pour vous montrer quelques fonctionnalités, sinon ce sera assez long comme là. Déjà, je pense que je suis à plus d'une demi-heure de vidéo. Donc, une fonctionnalité par rapport au métier. En espérant que vous ne trouverez pas de vous faire découvrir ma famille. Donc la musique est ici, je sais pas si vous avez son, je suis quand même pas mal baissé. Par contre, les chargements, alors là par contre, ils sont très bien. Surtout quand vous êtes très loin, très bien avancé dans le jeu. Parce que, Rome, là je suis semaine 3 ou 4, je sais plus exactement. Vous allez voir, il y en a pour au moins 2-3 minutes de chargement. Et plus vous avez vu, plus c'est un ordi de merde, plus c'est long. Et plus vous êtes avancé dans le jeu, plus c'est long aussi. Donc moi j'ai avancé la famille, parce que c'était pour le fun, pour m'occuper. Sinon, je suis plus penché sur l'architecture là-dedans. Donc pour le moment j'ai pas encore fait de maison, parce qu'en fait le jeu je l'ai depuis pas longtemps, donc j'ai directement fait la famille pour découvrir l'interface, et trucs comme ça quoi. Et voilà, donc vous avez vu, ça a toujours pas avancé d'un poil. Normalement, en fait, ça avance à peu près jusqu'à la moitié, trois quarts d'un coup. Et puis le dernier quart, il est super rapide. Je me comprends pas. Voilà, donc en fait, on est pour 2 minutes. J'espère que ça peut être trop long. Faut pas vous faire d'ellipse parce que je pense pas faire de montage. À part, je sais pas. Je sais pas, si à mon avis, la vidéo elle fera bien au moins 10 gigas.
Donc tu uploades 10 gigas, ça va être hard. Le rendu aussi. Quoique si je fais le rendu cette nuit et l'upload demain pendant que je suis en cours. Je verrai ça parce que je sais pas, faut que je retrouve où est-ce que j'ai foutu mon intro. Voilà, donc pendant que j'y repense, donc ça fera partie de ma série démo et découvertes. Ce sera l'épisode 3. Donc c'est des découvertes des jeux. Donc là c'est la découverte des Sims 3. Donc, ce n'est pas la démo, je tiens à préciser. C'est le jeu complet. Je verrai peut-être. Voilà, donc je verrai peut-être pour télécharger les extensions. Donc là c'est ma famille principale. Ah voilà, donc vous avez vu, j'ai plus l'interface de bugger. Donc vous voyez, il y a tout qui apparaît derrière. Donc là c'est moi. Ici c'est ma femme. Donc elle, comme vous voyez, donc Orko, elle est encore sous choc parce qu'il y a un de ses amis qui est mort. Ici vous voyez voir, donc en fait elle a obtenu 30 000 points de bonheur parce qu'en fait elle a atteint le niveau 10 en peinture et en guitare. Comme vous pouvez le voir, ici guitare, peinture. Point de vue professionnel, donc elle est niveau 4 militaire. Bien sûr, c'est une partie que j'ai fait complètement sans cheat. Hein. Bon, à part un petit peu l'argent, mais. Et lui, il est niveau 9 en médecine. On s'en fout. Et là, c'est ma fille. Elle est plutôt pas mal. Donc, elle qui est lycéenne et qui est président du club de littérature. Donc, c'est en gros emploi à mi-temps dans la bibliothèque, dans la librairie. Elle est niveau 3. Donc par contre qui a cours bientôt. Voilà. Donc point de vue caractère, donc elle est niveau 5 en logique, 5 en peinture et 3 en guitare. Donc elle est en train de monter sa guitare. Ah non, elle regarde la guitare. Elle est en train de peindre. Donc elle est niveau voilà. Donc voilà, elle a fini sa peinture. Donc là, dès que vous avez fini votre peinture, vous pouvez cliquer dessus. Donc pour la vente, voilà, la toile. Voilà, allez, on va la peindre, on va la toile, voilà. Donc elle est plutôt pas mal. Et puis moi, vous avez vu, je suis un peu plus depuis, en fait, j'ai plutôt fêté mon anniversaire. Hier, je me suis topé là-dessus sur l'anniversaire. Donc dans 73 jours, il crèvera. D'accord. Toi dans 8 jours tu deviendras une mamie et toi dans 6 jours tu deviendras une jeune adulte. Donc tu pourras avoir un emploi, elle aura un emploi à plein temps, elle sera bouclée. Prendre toute la maison, donc ici c'est la donc par contre c'est pas moi qui l'ai faite la maison, voilà, ici donc là c'est l'informatique. La maison, faites gaffe par contre, un conseil, il y a déjà lui ce cassos là, il a essayé de. Bon, tout le temps sur l'ordinateur en train de jouer vidéo. On va rien dire, en même temps c'est moi de ma faute, je l'ai foutu en génie de l'informatique. Oui, donc par contre il y a que lui que j'ai créé, hein. Les autres c'est des gens qui étaient déjà dans le jeu. Enfin Oli, j'ai dragué, et lui bah c'est ma fille qui j'ai fait, voilà quoi. Et faites gaffe parce qu'en bricolant les ordinateurs, ça arrive, lui en bricolant l'ordinateur, j'ai réussi à foutre le feu à toutes les pièces. Et ici donc il y a chambre, voilà quoi. Avec ici par contre voilà, vous pouvez acheter des réveils. Donc réveiller le matin, éteindre le réveil, donc on peut paramétrer le réveil pour qu'il soit à telle ou telle personne. Il y en a un qui fait un riz. Je sais pas c'est qui. Donc toi tu bosses le lundi, ça tombe bien, toi tu bosses le lundi aussi, voilà. Vous voyez le véhicule de capturage de Oli arrive dans une heure, donc vous avez entendu le réveil, parce que j'ai pas paramétré un réveil. Donc à partir que ce message là arrive, elle peut aller directement au boulot. Donc par contre pour prendre une voiture, vous voyez il y a différentes voitures, il y en a 3. Vous pouvez cliquer dessus, donc là il y a écrit appartenant à Julien, définir un propriétaire. Vous pouvez choisir un propriétaire. Donc là c'est Julien et celui d'Oli, normalement il est là-bas. Olé, Oli, là voilà. Donc là à partir de ce moment là, l'option travailler est activée à partir d'une heure avant le job. Donc là hop, j'appuie dessus. Donc ça on s'en fout. Donc elle va aller au boulot. Donc là, donc elle bosse jusqu'à 14h. Et si vous pouvez choisir ce qu'elle peut faire. Donc, elle peut faire en rien de lien habituel, elle peut travailler dur, elle peut tirer au flanc, ça c'est spécial à l'armée. Hein. En gros, elle peut se la jouer relax, elle peut traîner avec les coéquipiers, elle peut rencontrer de nouvelles personnes, elle peut cirer les. En gros, là-dedans c'est cirer les pompes du supérieur. Dans la médecine, c'est faire les papiers du patron, trucs comme ça. Donc là, on va le dire travailler dur. Travailler dur, je t'ai dit. Donc pour annuler une action, il faut cliquer dessus, hein, c'est tout. Par contre.
L'inconvénient avec ça, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe. Car au bout d'un certain moment, ils commencent à être sur les nerfs, en tension et tout. Ils sont super mal parce qu'ils sont vraiment mal, quoi. Ils peuvent être limite suicidaires. Donc là, il y a du courrier. A priori, ils prennent le courrier. Voilà. Ce que je vous parlais aussi tout à l'heure par rapport... non, on va faire afficher la carte. Bah tiens, pendant que je suis à l'armée. Voilà. Voilà, donc le courrier de Julien arrivera dans une heure. Et le bus de Charlène arrivera bientôt. Ici. Non, on peut pas. Alors, un endroit que je pourrais le faire. Voilà. Non, pas voilà. Ah si, voilà. En fait, on peut devenir associé. Bon, là, sur ce, pour, là-dedans, ça coûte 40 000 simflouz. Et après, on peut devenir notre propre patron. Par exemple, avec Julien. Donc là, toi, tu pourrais mieux d'aller au boulot au lieu de faire le glandage, bâtard. Donc là, hop, les... Ici, travailler. Voilà, donc on va le faire travailler dur. Voilà, donc il travaillait dur, regarder la télé dans sa dorme, discuter avec les collègues et faire les papiers du patron. Même si c'est lui le patron. On va rien dire. Donc voilà, donc ici j'ai acheté un titre de propriété. Donc si on va dans l'inventaire, donc j'ai un titre de propriété du stade et de l'hôpital. Donc ici avec le beeper de l'hôpital. Donc en gros dessus on peut changer le nom de l'hôpital. On peut renvoyer des Sims. On peut... Ah, je peux prendre ma retraite maintenant que je suis vieux. Mais non, j'ai envie de passer niveau 10. Je peux récupérer de l'argent. Donc là les 12 000 c'est les bénéfices de l'hôpital que je peux récupérer pour moi-même. Donc là c'est plutôt sympathique. Et je peux pareil dans le terrain de sport vu que je l'ai aussi acheté. Voilà, ensuite, Charlène, tu es en effort normal, donc on va faire en travailler dur, à l'école. Voilà, donc c'était ce que je voulais montrer par rapport à ça. Donc voilà, le bus il est là, alors que l'école, elle est... Ah d'accord, elle est là. Ce qui est bien que elle, c'est que l'école est là, et elle bosse juste ici. Juste après les cours. Voilà, donc quand les gens sortent de l'école, ils ont des devoirs, tout du style. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va... Par contre, les sauvegardes sont quand même assez longues. On va sauvegarder. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur les Sims. Donc bon, on peut aller à la piscine, on peut aller dans le parc, on peut jouer de la guitare dans le parc si on a un certain niveau de compétence avec la guitare. Voilà. Ah, pendant que j'y pense. Merde, la sauvegarde. On va essayer de sauvegarder et je vais vous montrer ça. Je commence à plus avoir de salive moi, à force de parler depuis au moins une demi-heure, 40 minutes, je sais plus exactement. Je parle de ma chaîne, je vais la reprendre, je vais pas la changer, j'ai toujours regardé sous le nom DJ 71, même si mon pseudo maintenant c'est Farrakhan. Je suis aussi disponible sur le Xbox Live sous le nom de Farrakhan, F-A-R-E-K-O-N, donc je fais partie de la team FMT, French Motor Team. Et par rapport à ma chaîne, donc je vais voir, je dis bien voir, si je peux filmer sur Minecraft. Ce qui m'étonnerait, car j'ai essayé d'y jouer et je suis déjà pas très 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 fluide en étant juste juste sans filmer. Donc il frappe, je sais pas ce que ça va donner. Trackmania. Je vais essayer de vous faire fonctionner. Voilà, donc aussi, il y a des moments quand ils posent bien, quand ils ont une promotion, il y a des trucs en haut qui apparaissent quand il y a des accidents. Donc là il y a écrit sur la désactivité des sciences. Donc en fait j'avais une opportunité. Elle est finie. Je vais faire une recherche sur les sciences. Et comme quoi là ça a amélioré mes performances scolaires. Par rapport au souhait à long terme, vous voyez, sur Charlène, elle, je lui ai fait faire le métabolisme rapide, l'envoyeur express et opportuniste. Donc il gagne de meilleures primes, des récompenses pour voilà. Oli, elle, donc vous voyez, elle en a déjà plus, donc en gros c'est moins fin, moins souvent toilette, nettoyage express, héroïne de bureau, hôte légendaire, élève rapide, métabolisme rapide et insalissable. Et mon mec, voilà, donc pareil, j'ai mis certains trucs. Voilà, donc c'était par rapport au long terme, vous voyez, j'ai quand même pas mal up, vous voyez, là je peux en reprendre un là-dedans. Donc il y a moyen de tous les avoir, hein. Ça monte quand même assez vite, surtout si vous faites l'émission. Comme là par exemple j'ai voir Charlène obtenir son diplôme dans 6 jours je crois qu'elle l'a. Être niveau 10, donc là ça me rapporte 10 000 en plus des 37 000 que j'ai si j'atteins le niveau 10 vu que c'était mon opportunité. Et là par exemple j'ai 1250 si j'atteins le niveau 8 en cuisine. Vous voyez il a fait du sport hier donc il y a des courbatures. Conseil, si c'est un sportif, comme moi au début c'en était un, enfin c'était je lui ai fait vite faire monter ses compétences d'athlétisme. Comme là il est niveau 10 en athlétisme je crois, compétences...
Il est niveau 10 en athlétisme, 7 en cuisine, 2 en guitare et 10 en bricolage. Faites-le faire au moins une heure de course par jour sur les tapis roulants. Parce que sinon, vous allez voir, il va devenir un petit mammouth. Moi, je me demandais pourquoi il a fait 2-3 heures de course, d'un coup, il est redevenu normal. Voilà. Je pense que c'est tout. Vous voyez la faim qui diminue. Ça, c'est des courbatures. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà. Oui, donc j'étais au sujet de Trackmania sur sur mon ordi. Dernière fois, avant, quand j'étais sur Windows 7. Oh putain, ses parents, ils sont morts. Ah merde. It's dead. D'accord, en fait, ses parents sont morts et ils ont un gosse. Je savais pas. Un demi-frère. Moi, comme ça, je le sais. Ok. Ouais, donc par rapport à Trackmania, donc j'avais essayé ce que j'étais sur Windows 7 de jouer dessus et j'arrivais pas à le lancer parce que ça mettait mes cartes graphiques étaient pas assez puissantes ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc je vais arrêter si je vais essayer de le télécharger pour voir. Je vais essayer aussi de télécharger de petits jeux. Il n'y a pas trop de place, donc comme les Sims là, ils faisaient 5 gigas. Vous voyez, c'est pas de la graphisme extraordinaire, donc ils tournent facile sous Fraps. Ça, je vais voir, j'ai évité de prendre les gros jeux style BO2, Far Cry sur PC, trucs comme ça. Parce que ça tournera pas. Sinon, prochaine vidéo, je sais pas trop, je vous verrai. Je verrai ce que je peux faire sur des petits jeux. Des petits jeux arcade, des vieux jeux. Je vais voir peut-être, parce qu'en fait, j'ai un émulateur sur mon ordi, j'ai un émulateur jeu de DS. Je ferai peut-être une série sur les Pokémon, parce que j'ai téléchargé les Pokémon, mais il est en anglais. Sinon, peut-être sur Zelda, ou j'avais quoi, j'avais Yu-Gi-Oh! J'ai jamais lancé, ça m'attire pas. Voilà, donc c'était Farrakhan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, j'ai plus de salive parce que ça faisait, j'étais plus habitué à parler autant. N'oubliez pas à liker, à aimer, à partager, à ajouter en favori, à faire tout ce que vous voulez sur la vidéo, sauf à mettre des pouces rouges, des pouces rouges. Mais bon, après, si vous avez pas aimé, voilà quoi. Mais bon, si vous aimez pas, dites pourquoi dans les commentaires. J'espère que vous m'avez bien entendu, parce que j'espère pas avoir fait cette vidéo pour que dalle, parce que j'ai les boules sinon, je vous affirme, j'aurai les boules. Et voilà, oh tiens, c'est quoi ça? Faire filtre un fantôme, apporter l'urne et résister un fantôme, ouais, je verrai plus tard. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de Mimi alias Soso alias The Soso Labella, lien dans la description, et de Imaginer Brice alias Brice6180, pareil lien dans la description. Vous avez juste en dessous de la vidéo, il y a écrit un petit, il y a écrit plus là, cliquez dessus, il y aura les liens normalement, ainsi que les liens de mon adresse email, de ma page Facebook, qui vous êtes actuellement 169 dessus, sur ma chaîne vous êtes 180 abonnés, je vous remercie, et voilà. Allez, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.